Les streams de la joie présentent Monsieur K. Il est la bonne humeur incarnée. Il est la joie de vivre. Il est la bonne foi avant tout. Et il vous montre des shmups tous les jours à 19h. Enfin, pas tous les jours, hein, faut pas déconner. Des fois, il y a des nouveautés aussi, ça arrive. Par accident. Et donc, aujourd'hui, on va se faire un shmup. Et oui, si, on a fait une intro aussi délicate, c'est pour vous mettre dans le bain, parce que ce jeu, elle est vraiment trop génial. Et attention, je ne sors pas mon sarcasme. Ce jeu a l'air gigantissime. Déjà, regardez-moi ce flyer. Vous avez envie de jouer, vous voyez ça, ouais, vous voyez ça, vous faites, ouais, je le vois, j'ai envie. Toute cette claustrophobie, oh oui, ça me donne envie. Pourtant, il n'y a pas un bout d'écran. C'est un peu normal, hein. On est en 1985. On fait des jolies illustrations marketing. Après, pour le reste, c'est un petit peu en mode random, j'ai l'impression. On va regarder ce qu'il vaut, ce section Z. Alors là, c'est dans une joie retenue que je découvre en même temps que vous, hein, le titre. Parce que j'ai vu des captures d'écran et voilà. Ça m'a super donné envie. Déjà, j'ai fait chouette, un scroller horizontal. Après, j'ai fait chouette, un scroller horizontal vintage. Puis après, j'ai réfléchi. J'ai fait R-Type était sorti ou pas? Non, parce que. On est dans un gameplay qui me semble assez bâtard entre R-Type et Scramble. Donc c'est assez étrange. Et je ne sais pas, à ce moment où je vous parle, si on a le droit de toucher les bords. Parce que moi je veux bien buter contre, mais toucher, qu'on explose. Oui, mais des crédits viennent avoir besoin, mon petit bonhomme. Alors comment fonctionnes-tu? J'ai mon jetpack, je peux aller où je veux. Non, je peux me retourner. Non, oui, je peux me retourner. On va faire avec ça. Alors, contrairement à ma médisance, je me crache. Ouais, non, on peut toucher les bords. Esta fiesta. Oh bah là, c'est bon, je vais être le roi de la montagne. S'il faut jouer comme un gros mongol. Comment ça, j'ai donné mon secret? Pas du tout. Biu-biu-biu-biu-biu. Biu-biu-biu-biu. Toujours le biu-biu-biu, c'est super important dans les streams. Vous êtes super habitués. Les t-shirts arrivent, hein, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Parce que je sais pas quand on va diffuser ce stream. Mais oui, enfin, vous devez avoir une boutique de soutien. Et oui, il faut soutenir vos gens sur internet. Mais sans nourrir les GAFA, ça sert à rien. Ils sont déjà assez gras, regardez. Ils se soignent de conneries, tellement ils sont gras. Et donc. J'ai essayé un truc. Et donc, oui, pour soutenir les gens que vous appréciez sur le net, prenez en direct les trucs. Abonnez-vous en direct. Ne passez pas par des trucs pour verser, vous engraisser tous ces gens inutiles qui nous polluent la vie et qui se sucrent au passage, alors qu'ils ne créent rien, eux. Ça y est, c'était mon petit couplet. Ça m'a donné du courage à regarder jusqu'où je suis arrivé sans mourir étrangement. Ça, c'était un bonus. Il aurait fallu le prendre. Il aurait fallu le prendre. Alors, j'ignore totalement où il m'a fait redémarrer. C'est la surprise. On verra si ce chien est un chien. Ou si ce chien est un chien. Pourquoi je l'appelle chien? Parce que je le sens pas. Je vous rappelle que un shmup, en général, le premier niveau, on est gentil avec le joueur. Sinon, il refuse de mettre des pièces pour continuer. Et oui, c'est ça la dure loi de l'arcade. Et là, je crois que, ben, il est déjà en train de se trahir. Emuel, le méga tigre of the death, qui est exactement pareil que celui d'avant, mais c'est pas grave. On va pas se fâcher, restons amis. C'est vrai que j'ai le droit de toucher les bords, j'oublie totalement. Je touche les bords et je vous emmerde. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Il l'a très très mal pris, le... Alors que faire, 4 minutes 34 au compteur. Je marque mon nom très très lentement pour arriver aux 5 minutes obligatoires de jeu que je devais vous faire voir. Ou bien, on va refaire un, allez. Je suis pas méchant, j'ai été très très méchant au démarrage du jeu en plus. Parce que finalement, le truc est jouable. Yes, it's me.
Je ne doute pas que je redémarre à peu près où j'étais au début. Bon, ah non, ça tire plus vite là. C'est pas très pratique. Je suis pas très pratique. Oh non, c'est pas très pratique ça. On va passer comme ça, ils ont l'air un peu énervés là-haut. Monsieur. Il est très laid en tout cas. Ça, on peut pas lui enlever. Il est d'une laideur. Alors, faut se remettre dans l'époque. Hein. 1080. En 1080, c'était pas si mal. Oh putain. En plus, il varie ses phases de jeu. Mais va-t-il commencer à devenir intéressant? Parce qu'en fait, pour l'instant, il est pas intéressant parce que j'ai jamais joué à ce jeu, donc j'ai aucune mémoire des différentes phases. En plus, il a le bon goût de m'enlever les tourelles que j'ai déjà flinguées. Ça, c'est gentil. Oh, ça, c'est moins gentil, par contre. Oui, j'ai monté de pattes parce que je me grattais le nez et ça se voit pas, c'est très radiophonique. Mais voilà, vous le savez maintenant. Ah non, il me les a remises. Merde. Ah, mais quelle saloperie ce truc sur les bords. Non, non. Ah, oh, c'était presque. Presque, presque. Quel dommage. Bon, je sais pas quoi en dire à ce jeu. Il est vraiment étrange et il mériterait qu'on aille un peu plus loin. Alors, je me force pour vous parce que je suis vraiment très, très aimable. J'espère que je vais repartir sur la phase verticale, sinon je vais pleurer un peu. Yes, il est très aimable lui aussi. Apparemment, c'est un stream de gentlemen que nous avons ce soir. Et ça fait du bien de se trouver entre gentlemen. Parce qu'avec tous les goujats de la vie, hein, c'est pas facile, je veux dire. Ouais, fais un bord, réfléchis pas. Ah oui, réfléchis à l'autre quand même. Oh putain, le fumier. Bon, quand ça tire, tu montes. Je repars en bas. Ouais, mais on va pas être copains. On va super pas être copains, mon ami. Si tu me fais repartir après à chaque fois ça, pour essayer de me shipper une vie en plus. Pour le plaisir, comme dirait. C'est chaud. C'est moi qui descends dessus, mais quelle honte. Je suis désolé, j'irai pas plus loin, les amoches. Essayez de mettre la main dessus. Il est bizarre, ce jeu. Parce que il y a des idées. On avance à peine au deuxième tableau, déjà pouf, plein d'idées, des trucs comme ça. Moi je suis pour hein, ces initiatives. Le problème c'est qu'il faut voir la réalisation. Alors c'est assez souple, c'est assez vif, un peu trop en émulation d'ailleurs. Mais ça demanderait à être exploré. Ce que je vous propose c'est de revenir dessus un jour où j'ai plus le temps. Si j'oublie, il faudra me le rappeler surtout. Parce que je vais complètement paumer le nom de ce jeu. Qui était donc Section Z. De 1985 qu'il faudra que je vous redétaille pour qu'on connaisse le fond de l'histoire que j'aille explorer plus loin, mais il faudra que je m'entraîne avant parce que ça va être long et douloureux, je pense. Il y a beaucoup de mémoire. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmup, et allez, un petit stream bonus. Vous avez été sympa. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.